avec ce Solo Morocco qui est mon troisième album, je me suis dit je vais pas penser à comment est-ce que quelle direction je vais prendre pour que ça plaise ou non. Réfléchir et faire tout ce que je ressens. C'est pas grave après si ça rentre pas dans un seul et même créneau, c'est pas grave si je trouve pas de nom ou de définition. Je vais faire tout ce que je suis et c'est ce que j'ai fait. Je pense qu'il y a un peu de l'âme de chacun. C'est ça aussi, Soul of Morocco. Moi, mon intention, c'était pas d'appeler mon album Soul of Morocco pour dire je chante de la soul marocaine. C'était plus histoire de dire c'est quelque chose qui vient de l'âme, un peu de la mienne et un peu de tous ceux qui ont mis un peu de la leur dans le projet justement. On a cette chance quand on fait ce métier justement de voyager, de rencontrer des gens et puis des cultures et puis d'apprendre d'autres choses, d'écouter d'autres choses et toujours de s'enrichir. Et je pense que ce qui rentre un jour en nous, à travers nos oreilles, ressort très certainement un autre jour dans la musique quand on est un musicien. Je veux vraiment me ressembler le plus possible quand je suis sur scène. Et puis, personnellement, d'abord, ça m'amuse parce que je suis très manuelle et j'aime bien travailler mes tenues moi-même. Et oui, pourquoi pas en même temps montrer, encore une fois, toute la diversité, entre autres, de l'artisanat marocain. Années que je fais ça un petit peu chez moi. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'au Maroc, les scènes qu'on a l'occasion de faire, c'est plutôt des grandes scènes, donc des grands festivals gratuits, dans des places, dans les grandes villes. Mmh.